En vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notre copropriétaire était tenu de faire appel au service d'un architecte afin d'obtenir un permis préalable à sa construction. Il s'agit d'une mission d'ordre public à laquelle il ne peut pas déroger. Notre copropriétaire doit donc obligatoirement faire appel au service d'un architecte valablement autorisé à exercer sa profession en Belgique. Pour ce faire, trois conditions. Premièrement, être titulaire d'un diplôme ou d'un diplôme équivalent. Deuxièmement, être valablement inscrit à l'ordre des architectes ou à une liste des stagiaires. Et enfin, troisième condition, être assuré en responsabilité décennale. Il s'agit ici d'une nouveauté puisque une loi du 31 mai 2017 a considérablement limité les obligations d'assurance qui s'appliquaient précédemment aux architectes et qui visaient tous les actes exécutés dans le cadre de leur profession. Actuellement, cette loi qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2018 limite cette obligation d'assurance uniquement à la responsabilité décennale, c'est-à-dire fixée par les articles 1792 et 2270 du Code civil, et uniquement pour les travaux touchant à la stabilité, la solidité ou l'étanchéité du gros œuvre fermé, et uniquement pour une habitation située en Belgique. Pour ce qui concerne les autres cas de responsabilité de l'architecte, rappelons néanmoins que demeure l'obligation d'assurance imposée par l'article 15 du règlement de déontologie qui n'a pas été abrogé. Celle-ci demeure donc d'application, bien que ce ne soit pas une condition d'exercice de la profession en Belgique. Mais notons qu'en ce qu'elle comporte une norme de bon comportement, la responsabilité de l'architecte pourrait être engagée sur base de l'article 1382 du Code civil.